c'est pour le disco. Madame Thibault, c'est Thibault, c'est Thibault. Les girls font comme à danser le disco. Allez-y, Madame Thibault, oubliez votre mal de dos. C'est Thibault, c'est Thibault le disco. Madame Thibault, c'est Thibault, c'est Thibault le disco. C'est ça, Madame Thibault. Faites aller vos bras comme un oiseau. Non, non, Madame Thibault, sautez pas comme un crapaud. Madame Thibault, Madame Thibault, c'est 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 Thibault, Madame Thibault. Pas trop proche, Madame Thibault. J'ai peur de ma peau. Arrêtez, Madame Thibault. Pensez pas sur moi comme un taureau. Madame Thibault. Pas comme ça, Madame Thibault. C'est pas le tango, c'est le disco. Assez, Madame Thibault. J'ai rendu vous danser le flamingo. Madame Thibault. Madame Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. Le disco. Madame Thibault. C'est ça, Madame Thibault. Faites aller vos bras comme un oiseau. Arrêtez, Madame Thibault. Pensez pas sur moi comme un taureau. Madame Thibault. Oh, hein, Madame Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. C'est Thibault, c'est Thibault. Le disco. Aïe, ouch, aïe, non. Oh, Madame Thibault. Alors ça va pas dans le soulier, y'a rien là-dedans. Ça va pas dans le soulier, faudrait vous réveiller. Ça va pas dans le soulier, c'est vraiment embrouillé. L'autre jour, Patoff m'a dit qu'au lieu de sucrer son thé, il avait tellement salé qu'il avait dû le jeter. Moi voulant le consoler, je lui offre un bon café. Mais en buvant une gorgée, il a failli s'étouffer. Hey Pat, vieille tomate, alors ça va pas dans le soulier, y'a rien là-dedans. Ça va pas dans le soulier, faudrait vous réveiller. Ça va pas dans le soulier, c'est vraiment embrouillé. Un jour Patoff m'a conté qu'il était très fatigué, car il dormait à moitié à cause de ses oreillers. Moi voulant un peu l'aider, je suis allé vérifier. C'est alors que j'ai trouvé des moutons dans son sommier. Et Pat, gros
son melon. Alors ça va pas dans le soulier. Y'a rien là-dedans. Ça va pas dans le soulier. Faudrait vous réveiller. Ça va pas dans le soulier. C'est vraiment embrouillé. Hier, Patoff m'a confié qu'il voudrait savoir nager afin d'aller se baigner dans la Méditerranée. Moi, pensant le protéger, je lui donne une bouée. Mais en voulant l'essayer, ben, il a failli se noyer. Vieux navet, alors ça va pas dans le soulier. Y'a rien là-dedans. Ça va pas dans le soulier. Faudrait vous réveiller. Ça va pas dans le soulier. C'est vraiment embrouillé. Lorsque l'un d'eux me dit soudainement: Monsieur, tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Mais vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe? Peut-on savoir? Mais je vais vous expliquer, moi. Quand elle va arriver? Mais ça, je ne sais pas. Monsieur, tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Que se passe-t-il? Mais je vous dis que je ne sais pas. Fais quelque chose. Mais quoi? Sinon, ça va barder. Vous en faites pas. Et tout s'arrangera. Les bonnes choses mettent du temps. Il faut être patient. La deuxième fois que c'est arrivé, c'est le jour où je me suis marié. Tout c'était présent. Pour cet événement, mais sauf la mariée, mais malheureusement,
maman et papa faisaient les 100 pas. Monsieur le curé alors demanda: Monsieur, tranquille. Bah oui, monsieur le curé. Que se passe-t-il? Bah je ne sais pas. Peut-on savoir? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Quand elle va arriver? Bah je ne sais pas, j'attends. Monsieur, tranquille. Mais oui, monsieur le curé. Que se passe-t-il? Mais je ne sais pas. Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Sinon ça va barder. Vous en faites pas, et tout s'arrangera. Les bonnes choses mettent du temps. Il faut être patient. La troisième fois, vous ne me croirez pas, mais c'est aussi vrai que je suis là. Ma femme est partie pour faire l'épicerie et je ne l'ai pas revue depuis. Chaque jour ma belle-mère m'arrive en colère, m'en répétant la même affaire. Monsieur, tranquille. Oui, belle-maman. Que se passe-t-il? Mais je ne sais pas, moi, belle-maman. Peut-on savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment va arriver? Ah, ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Monsieur, tranquille. Mais oui. Que se passe-t-il? Ah, je ne sais pas, moi, belle-maman. Mais quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sinon, ça va partir. Vous en faites pas, et tout s'arrangera. Les bonnes choses mettent du temps. Il faut être patient. Et voilà que ça recommence. Il faudra que tu les jettes. Qu'est-ce qui klaxonne et qui file pendant des milles et des milles? Si ce sont de gros camions, il faut faire attention. Oh, 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 danger. Danger, c'est pour te protéger de ce qui est étranger. Qu'est-ce qui pique et qui picote quand tu t'y colles ou tu t'y frottes? Ce sont des fils électriques qui donnent des chocs énergiques. Qu'est-ce qui se cache sous l'évier que tu voudrais goûter? Si ce sont des détergents, il faut être méfiant. Oh, 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 danger, oh, danger, danger, oh,
que je dis danger, c'est pour te protéger de ce qui est étranger. Danger, oh danger, il faut bien m'écouter pour ne pas te blesser. Évite les dangers. Danger, oh danger. Francesco! Ciao, ciao!